Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais extrêmement hâte de vous faire, que je vous ai déjà filmée, enfin du moins pré-filmée, mais il y a eu un petit incident technique, donc rebelote, on recommence. Aujourd'hui on va parler de EMP. Pour ceux qui connaissent pas le site EMP, sachez que pour ceux qui vont dans les festivals et tout ça, peut-être vous connaissez, d'autres peut-être vous êtes passés à côté. Dans ce cas-là, vous, pour moi, vous viviez dans une grotte. C'est un site internet de merch. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, le merch, en fait, c'est tout ce qui est produit dérivé des groupes de Disney, de films, de jeux vidéo. En fait, tout ce qui entoure un peu cet univers à la fois rock, geek et tout ça. Et sur le site EMP, on trouve énormément de franchises. On trouve la licence, la franchise plutôt Harry Potter, on trouve pas mal de Disney, on trouve des trucs de des vêtements, par exemple, du merching de groupe. Exemple, je sais pas, les grands groupes comme AC/DC, Metallica ou encore Queen ou ce genre de trucs. On trouve énormément de produits dérivés. Au niveau des tarifs, alors avant de parler tarifs, le site est un site allemand, donc c'est un site européen. Vous n'avez pas de frais de douane, donc vu que c'est un site européen, donc à ce niveau-là, vous êtes à peu près tranquille. Les prix sont un peu élevés par rapport à d'autres sites de merch, mais je pense que c'est un petit peu normal aussi. Donc bon, voilà, vous avez également aussi des produits dérivés de séries comme Riverdale, Sabrina, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Je crois qu'il y a Supernatural, enfin il y en a pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter moi quelques articles que j'aime beaucoup. Donc déjà, on va commencer par ce petit haut que je porte juste là. Donc c'est un petit haut normalement qui est assez élastique au niveau du col. On peut porter comme ceci, je ne sais pas si on verra très bien. Oui, j'ai un soutif dessous parce que bon voilà. Donc qui est un peu inspiration gothique. Vous avez pas mal aussi de vêtements style gothique sur EMP parce que bon voilà, c'est un petit peu le principe de EMP. Vous avez beaucoup aussi d'accessoires entre guillemets pour tout ce qui est festival, notamment les sacs et tout ça, donc festival style Hellfest, Extreme Fest et compagnie. Donc vous avez déjà, bon, moi je me suis pris ce petit haut là qui était en solde. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour les prix parce que je les ai pas en tête. Ensuite, je me suis pris en solde toujours ce petit pull. Au début, je me doutais que c'était un pull. Mais bon, je pensais pas qu'il allait être aussi joli comme ça de la franchise de Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, pas Sabrina l'apprentie sorcière, avec le petit Salem là qui fait plaisir, qui est très mignon, enfin qui peut faire peur mais que je trouve très mignon. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Je l'ai pas encore essayé mais bon, c'est mes tailles. Alors pour ceux qui se réfèrent à mes tailles, je crois que ça c'est du double XL. Ça c'est du XL. Double XL chez les femmes, parce que vous avez aussi pour hommes, et vous avez des articles unisex aussi. Et pour mon anniversaire, je me suis fait un énorme kiff. Je me suis pris ce sweat de House Springs, qui était un groupe que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est essentiellement alors, à cheval entre les années 80 et 90, donc à cheval entre ma génération et la génération précédente, qui est comme ceci, là je le déplie, mais bon voilà, il a déjà été lavé. Donc c'est une taille S chez les hommes, il met un peu juste au niveau de la poitrine, parce que ben les jumeaux, on peut pas les caser ailleurs, j'ai envie de dire. Et le dos est comme ceci, donc c'est leur dernier album, qui est sorti en 2021, qui est Let the Band Time Roll, qui est comme ceci. Donc moi je trouve le dos vraiment magnifique, je trouve le dos sublime. Et je trouve que la qualité, franchement, la qualité des vêtements est liée, le prix est élevé, mais franchement, si vous pouvez vous prendre des articles en solde, ça peut être très intéressant parce que les soldes peuvent être très intéressantes. Je sais que pour les deux commandes que j'ai passées, donc le sweat d'un côté, les deux hauts de l'autre, j'en ai pour 40, 41 euros et des brouettes. Donc pour beaucoup, ça peut paraître très cher. Mais quand on regarde les prix initiaux, franchement, c'est vraiment, vraiment un bon truc. Donc quand vous les recevez, vous avez la facture, vous avez tout ce qu'il faut. Donc j'ai une facture là sur le coin. Donc vous avez, là je cache parce que c'est mes amis, vous avez, bon ça c'est pour les retours d'articles, et ensuite vous avez, non ça c'est les retours d'articles, je suis bête, et ça c'est pour la facture, donc là c'est pour le sweat, j'en ai eu pour 46 euros, bon parce qu'il y avait les frais de port, mais de l'autre côté j'en ai eu pour 41. Et
petite attention qui fait plaisir, il vous glisse dans les colis des petits trucs comme ça, que je trouve vraiment super chouette pour ceux qui aiment bien coller des stickers un peu partout. Je trouve que ça peut être très mignon. Donc voilà, bon après c'est un site, je trouve la qualité des vêtements est plutôt bonne et plutôt pas mal et plutôt sympa, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je vous conseille vraiment d'attendre les réductions parce que c'est vraiment vraiment intéressant, parce que c'est vraiment intéressant que là j'ai vu qu'il y avait des nouveaux produits dérivés sur le groupe Slipknot, pour ceux qui connaissent le métal autour de, pour celles qui ont des compagnons, des potes ou tout ça, qui sont très fans de métal, honnêtement, ça va kiffer de fou. Donc voilà, écoutez, je vous laisserai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vous laisserai également le site pour aller faire un petit tour si vous voulez faire un cadeau original à quelqu'un ou pour vous-même aussi. Vous avez également, pour ceux qui étaient fans, une partie sur Linkin Park. Donc je sais que le chanteur de Linkin Park est décédé il y a de cela un petit moment. Mais pour ceux qui restent fans de Linkin Park, franchement, vous pouvez même trouver les CD sur EMP. Donc ça peut être intéressant, surtout que des fois, il y a des CD qui sont très difficilement trouvables. Et je sais de quoi je parle pour certains groupes, c'est vraiment la galère. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Au niveau de EMP, je vous laisse tous les liens en barre d'infos, à la fois des articles que j'ai commandés, s'ils sont toujours disponibles, bien sûr, le sweat, les deux hauts, je pense que oui, le suite ça va être un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse tout, encore une fois, je vais me répéter tous les liens en barre d'infos. Moi je vous fais de très très gros bisous, tenez-vous au frais et d'ici là, portez-vous bien.